Coucou les amis, c'est le Bledard, j'espère que vous allez bien. Ouais, maintenant j'ai double écran. Ouais, avec la YouTube Money, on se fait plaisir. J'ai filmé à la fois avec la caméra, avec mon téléphone. Il y a même Spielberg qui est derrière. Je rigole. Mais il est malade celui-là ou quoi? Je vous ai demandé sur Snapchat de m'envoyer une vidéo en m'expliquant quelle a été votre pire rentrée scolaire, que ce soit au collège, au lycée, ou bien même à votre travail. Ah, parce que tu me suis pas sur Snapchat? C'est le Bledard 54. Je te mettrai ça dans la description, t'inquiète même pas. On va écouter ensemble vos réponses. Donc rappelez-vous bien, vos pires rentrées scolaires, collège, lycée, université, même travail, boulot. Pour ceux qui travaillent après. Même la NP, ça compte, hein? Il est malade celui-là ou quoi? Moi j'aime bien la vie des gens, tu vois. C'est vrai que surtout mes abonnés, tu vois. Mes abonnés, déjà, ils sont abonnés à ma chaîne, déjà, ils ont tout réussi, tu vois. Allez, bismillah. On va voir Val. Cool, Bledard. Salut. Ouais, tu vois ça ou quoi? Ouais. Bah, c'est là où je travaille. Donc, pour te donner ta petite blague, pour ce que tu demandais, c'était pas dans une rentrée. Je vais t'expliquer après, t'inquiète. Tu vas m'expliquer quand en fait? Parce que tu Ah oh, putain, ça recommence. Vous vous rappelez la première vidéo Snapchat? Les gens ils finissaient pas leur. Ah, Mustapha, vas-y. Eh, hey, Mustapha Pogba, il a rien que. Il s'appelle pas Pogba, non? Moi, ma pire rentrée scolaire, tu sais, c'était quand? Non. C'était une fois, il a plu, il y avait de la boue par terre. Oh. Et je courais, je voulais trop voir mes potes. En plus, j'étais habillé en Lacoste, tout en blanc. Je suis tombé dans la boue. Et le pire des pires, c'est que j'étais même pas dans la classe à mes potes. Ça fait j'ai pleuré et tout. C'est-à-dire que le mec, déjà, bon, je pense qu'il est africain. Il est un peu du Cameroun, du Sénégal. Il était en Lacoste, blanc, quoi. Il était blanc, quoi. Blanc comme neige. Sauf qu'il neigeait pas, il y avait de la pluie. Ça, c'est triste, par contre. La parité. Une fois un garçon, une fois une fille. Je vais essayer. Là, j'ai vu que le gars, il s'appelle Justine. Salut, Anas. Salut. Genre, ma pire honte, c'est en 6e, le deuxième jour de la rentrée. Je me suis pissé dessus en dernier cours. Là, j'ai trop... Attends. En 6ème, moi j'étais à 12 piges. Ouais, c'est fini les couches, tout ça. T'as pissé. Moi je pisse de rire, tu vois. Elle a pissé d'urine. Ah ouais, chaud. Ouais, j'ai beaucoup d'amis en fait. Ça, je savais pas, j'ai beaucoup d'amis, wesh. Eh, hey, merci à tous. Voilà, ça me fait plaisir. Lily, Jaco, vas-y. Alors, moi, ma pire entrée des classes, c'est que déjà de 1, je suis arrivée en retard. Ah. Genre, j'avais 20 minutes de retard, je suis arrivée, il y avait plus personne dans la cour. Ah ouais, donc, chaud, quoi. J'étais solo. Je savais pas dans quel. Eh, hey, on dirait pas genre une musique. Je suis arrivé à sa vie dans la cour, y avait personne. J'étais solo. J'étais solo. Voilà, Maître Gim, si tu m'entends, droit d'auteur, tout ça. Hein. Mais il est mal là-dessus là ou quoi? Vas-y, Nayel. Bon, voilà, moi j'allais au collège comme ça. Non, c'était au lycée. Wow, c'était la rentrée de classe du lycée. Et moi, je m'habille et tout, voilà, sur votre Lacoste, tu connais. Pourquoi Lacoste? Et il y avait du PQ en dessous de ma chaussure. What? Et devant tout le lycée, ça picote. C'est pas agréable. Ça picote. Ça va, c'est du PQ qui est pas utilisé, ça va. Par contre, s'il y avait du PQ avec des traces de freinage, tout ça, ça aurait été un peu compliqué. Mais hé, beau gosse les gens. Il y en a beaucoup qui s'habillent en Lacoste pour aller là. Moi, frère, j'avais pas de Lacoste, frère. J'avais la Poste, moi, c'était pas le même délire, tu vois. Bah, mon vieux. La Poste, on a tous à y gagner. Ah bon, ma pire rentrée scolaire, c'était en CM2. Et en fait, j'étais pas inscrite à l'école. En gros, je suis arrivée là-bas, j'étais tranquille avec mon carnet, j'avais la liste de cours, j'avais tout. Hein. Et je suis allée là-bas, ils m'ont dit, j'étais pas sur la liste d'inscription, j'étais pas inscrite. Donc je suis allée voir, j'ai dit, monsieur, pourquoi je suis pas là? What? Elle a dit quoi? C'est normal qu'ils t'inscrivent pas, c'est pas possible! Oh! Bon, c'est vrai que t'avais une voix chelou parce que t'avais mal à la gorge, ça, mais t'avais une voix marrante, désolé, t'as plus plaisir. Guiguette! Bah, je me suis trompé de classe et en plus, j'ai tutoyé le prof. Oui. Au calme. Donc, déjà, toi, t'arrives en retard et en plus, tu respectes même pas le prof. Ouais, pourquoi vous êtes en retard? Oh, tu me casses pas la tête! Faut jamais tutoyer les profs, surtout quand on est en retard. Bah, même quand t'es pas en retard, tu tutoies pas de toute façon. Fou, toi, ouais. En fait, j'étais aux toilettes après, j'ai rencontré Mademoiselle Chine. Après, je lui ai dit, ouais, je suis devenue grosse. Après, elle m'a suivi en classe. Après, elle m'a crié, tu vois, sahbi. C'était la honte absolue à sahbi, oui. What? Et j'ai une autre connerie. En fait, c'était déjà la rentrée. Et après, en fait, elle m'a demandé la maîtresse comment elle s'appelait ta mère. Après, je lui ai dit NS. Comme ta gueule. What? Qui a compris là? Encore la première, j'ai compris. Elle a dit que sa maîtresse elle était grosse. Mais après, j'ai pas compris comme ta gueule. Ah, tu m'as insulté là? Malade. Le rebeu sauvage. Le pire moment, c'est en CP, je savais pas squatter l'école, tu vois. Et j'avais vomi, je me disais quoi, je fais de base. Mais wesh! Pourquoi il a mis un fil de chien? Tu parles, frère, ça fait. Wesh! Autant poser la question à Django. Malade, va. Relax. Alors, moi, ma petite rentrée. C'était
j'étais malade pendant la rentrée. J'avais 39,5 de fièvre. Mais c'est pas vrai, les extraterrestres, ils ont pas de fièvre. Arrête de tweet de ma gueule. Genre, comment dire, tu pouvais pas te retourner et dire ouais, arrêtez de crier ou de parler parce que c'était dérangeant. C'était ultra intimidant. Ouais, il a même pas dit bonjour. Il a commencé la phrase comme ça. Normalement, faut dire bonjour, Anna, c'est pas le mec, il a dit ah, tu sais que tu peux même pas te retourner. C'était quoi le début de la conversation? Wow, il m'a choqué lui. Ma pire rentrée scolaire, c'est quand en fait j'avais pris toutes mes affaires pour aller à l'école. Ouais. Alors qu'il fallait prendre que le cahier de brouillon. Et le mec, il était pas content en fait, il était énervé. Mais quand je te dis énervé, c'était énervé. Il était vraiment vénère de ouf. Et du coup, il m'a mis une heure de colle. Ah, parce ouais que... ah ouais, parce qu'on saura pas. Il était énervé à sa vie. Kenzo, attends. Bah, moi, la pire rentrée scolaire. Bah... Non. J'ai pas envie de parler à tes mollets. T'es fou de ou quoi? C'est quoi ces gens-là qui t'envoient tes mollets au calme? Je suis jamais allé à l'école. Donc ça compte ou pas les pires rentrées? Non. Non mais c'était pas mal. C'était une belle tentative, c'était une belle tentative. C'est pas mal. Il y a du suspense dans cette vidéo, il y a de l'humour et il y a des trucs bizarres, mais bon, c'est cool. S'amuser dans la vie. Tajine, il y a un mec qui s'appelle Tajine. Et ben premier jour de self au lycée, on arrive. Self, tout content, self-service. Et là, ils nous disent qu'il n'y a pas de merguez. Oh, fallait pas aller au self-service, fallait aller au self-défense, malade. J'hallucine, chou. Rien parce que ma rentrée scolaire s'est bien passée. Bisous. J'ai parlé avec qui là? C'était un lapin ou c'était un écureuil? Ma pire rentrée, j'étais en retard. Et je me suis cassé la cheville. What? C'est une circonstance de beaucoup de malchance quand même. Est-ce que t'étais en retard parce que tu t'es cassé la cheville ou bien est-ce que tu t'es cassé la cheville parce que t'étais en retard? Aziz Baudelaire. Elle lâche un giga rose, sa mère. Tout le monde s'est retourné. Moi, j'avais pété un fou rire, mais je me suis stoppé direct parce qu'elle a crié mon blaze. Tout le monde s'est foutu de ma gueule jouée. Ah, c'est ta pote qui a roté. Ok. Le quoi? Le boss noir. Et après, bah, ils m'ont touché. Oh, une tarasse. Quoi? Attends, le mec, il est en train de parler, il s'embrouille avec son petit frère ou quoi? Mais les gens ont commencé par dire bonjour, tu vas bien? Commencez pas à dire, ah, il a commencé à me toucher. Non! C'est déjà la phrase était un peu ambiguë, tu vois. Faites d'abord les présentations, et après vous faites du sale. C'est toujours comme ça que ça se passe dans la vie. En fait, moi j'étais en seconde et tout, et genre, je fais une semaine de cours et tout, j'avais mon emploi du temps. Et genre, une semaine après, j'apprends que j'étais carrément dans un autre lycée. Et en fait, dans la classe où j'étais, il y avait un mec qui s'appelait exactement comme moi. Ouais. En fait, en gros, j'ai pris sa place, il était pas là. Oh non! Vraiment, là, tu as déconné là, Roger. Eh, Roger! Vraiment, là, tu as déconné. Non, c'était les Antilles, non? C'était... Je sais pas quelle. Je suis désolé. Coucou, Anas. Alors, ma pire rentrée scolaire, c'est que c'était en CE2, je crois. Et le premier jour, j'ai pété en classe. Et la prof m'a dit que si je faisais trop de bruit, et bah, fallait que j'aille au fond. Et du coup, bah, je me suis retrouvée au fond pendant toute la journée et je me suis fait humilier pendant le reste de l'année. J'adore. Moi, je me rappelle pas de ma rentrée scolaire en CE1, CE2, CP. Je me rappelle à peine de ce que j'ai mangé hier. Je te promets. Genre, CE1, CE2, pour moi, c'est flou de ouf. Je me rappelle de rien. La seule rentrée que je me rappelle, c'était en 5ème. J'avais ramené des chaussures Reebok. C'était mes premières chaussures de marque que j'avais achetées à Delbrelef à Casablanca. Je te jure. 210 dirhams. 20 euros. Bah c'était des fausses, mais tranquille. T'es là pour me juger ou bien pour m'écouter? Le jour de la rentrée, oui, je suis parti en pyjama en cours. Quoi? Ce n'était pas facile. Bâtard. Ce n'était... Mais attends, mais comment t'es parti en pyjama, frère? T'es biglé ou pas? Ma pire rentrée scolaire, c'est quand je vois y a pas mes potes avec moi dans ma classe. Oh, elle était rapide, c'est là. Allez hop, ça dégage. J'ai pas le time, les gars. Moi j'ai pas le time, les gars. What? Ma pire rentrée scolaire. Je suis arrivé une heure en retard. Ouais, mais non, c'est pas... Encore, quand t'arrives en retard, il y a sûrement une bonne raison. Tu vois, je sais pas, ta mère, elle t'a giflé, ton père, il t'a mis dans le coma, ça arrive tous les jours, il faut pas se voiler la face, tu vois. Moi, j'attends vraiment des explications genre lourdes, du style, je sais pas, moi, je me suis écrasé par un éléphant, ou une girafe, elle m'a mis un coup de tête, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, moi, ma pire rentrée scolaire, c'était en primaire. Ouais. Genre, tu sais, c'est le moment où tu découvres ta classe et tout. Et bah c'était bien en fait, quand tu dis que ta classe, c'est ça la rentrée scolaire en vérité. Ah, finissez les vidéos, Serbi. Bon, ma pire rentrée, c'était quand j'étais au collège, je suis rentré en 6ème et je me suis perdu dans les couloirs. Ouais, mais frère, faut investir dans un GPS. Un GPS, les gars, ça c'est un conseil pour la rentrée. Achetez un GPS. What? Je m'étais fait pipi dessus pour la rentrée de 6ème. Ça vous arrive souvent de faire pipi sur vous ou... Ah, c'est une tradition. Ok, d'accord. T'es en seul et rentré en 6ème et j'ai amené tous mes cahiers, quoi, à Serbi. Alors qu'il fallait juste t'amener un cahier de brouillon et une trousse. Puis quoi?
C'est un thème, quoi. Arrête avec ta bouche là, tu me fais peur. En fait, ouais, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, genre au lieu de ramener toutes leurs affaires, au lieu de ramener juste le cahier de brouillon, ils ont ramené toutes leurs affaires. Mais pourquoi tu vas ramener un cahier de brouillon? Tu vois, je m'interroge, tu vois, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais eu de pire entrée, mais vu que je vais passer en 6ème, là, je pense que j'aurai la pire entrée. En même temps, je sais. Ah, on entend les églises derrière. Ça veut dire que tu vas bientôt mourir, c'est bientôt la rentrée, tu vas bientôt mourir. La pire année scolaire, c'était quand mes copains n'arrêtaient pas de m'insulter, gros. Oh. Oh, ils m'ont fait la hala. Mais non, t'es pas gros. T'es juste enveloppé, c'est pas... Moi, la pire entrée, c'est quand je partais pour aller au travail, normal. Et là, je me retrouve devant l'entreprise où il y a marqué fermeture définitive. Licenciement économique, j'étais même pas au courant. Super. Et ben voilà. Et ben là, c'est bien. Tu vois, t'arrives, tu vas au travail, t'es content et tout. Bam, boum, fermeture définitive. Boum, ouverture facultative à la IPE. Tu rentres chez toi, tu prends la CAF au calme et c'est réglé. Non, mais c'est bien. C'est un mal pour un bien. Moi, la pire entrée scolaire. C'était cette année en fait. J'étais avec tous mes potos, tout se passait bien, tout ça. Sauf que le problème, c'était à la présentation des profs, tu vois, quand tous les profs ils viennent te voir, tout ça. Et il y en avait un, c'était un pur blédard, comme toi. Tu m'as insulté là ou j'ai rêvé? Alors là, mon pote, je vais te faire du sale. Bonjour, à partir de maintenant. La parité, le monteur s'emballe. Merci. Moi, ma pire entrée scolaire, c'est quand j'ai insulté mon directeur le premier jour et il m'a viré. Ah ouais, toi, définitivement. T'étais vraiment vénère. Hein. T'arrives le premier jour, tu lui dis, hey, écoute-moi bien, fils de. Hop. Voilà, il t'a banni direct. Hey, Iburaka. J'étais en petite section. Ouais, en petite section. Et là, je me sens endormi. Et là, je vois pas. Je me suis fait caca, tu. Désolé pour la couche, dédicace à toutes les couches pampers qui nous regardent actuellement. Ça me fait plaisir. Hey Steven! Bah moi je suis arrivé en retard et du coup. Non, mais Steven, je peux pas parler à ton verre, je le connais pas assez, tu vois. Il est malade, tu vois quoi. Mon pire entrée scolaire, c'est quand je suis passé en CM2, je suis rentré dans la classe, j'ai jeté une gomme sur le maître, tout le monde m'a balancé, j'ai été viré de la classe. On s'est habillé au calme. Tu vois, l'année dernière, il y avait un mec qui je me bagarre avec lui. Il a dit l'année prochaine, si t'es là, à la rentrée, je vais te niquer. Et ouais. Bah, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a niqué. Bon, au moins, ça va, il est réaliste, quoi. Mais t'as pas pris en considération sa menace. Tu t'es dit, oh, c'est pas grave. Finalement, c'était grave. Hein. La pire entrée scolaire, c'est quand j'étais au collège. On devait faire une photo pour le carnet. M'a dit de sourire. J'ai souri, il m'a dit, non, souris pas, t'es moche. Ah ouais. Ah ouais, pourtant, t'es pas moche, hein. Voilà, avec le lampadaire derrière toi, t'es beau en vérité, hein. Je vois, ma pire entrée, c'était quand j'étais en 6ème. Ouais. Je suis rentré dans la classe. Et en fait. Je suis déçu, hein. Parce qu'en fait, vous me tenez vraiment en haleine de ouf, tu vois. C'est comme moi quand je commence les let's play et que je les finis jamais, tu vois. C'est blessant. Wesh Anes, moi, ma pire rentrée, c'était en seconde. C'était le premier jour que je devais aller au lycée. Ah, en seconde. Je devais aller au lycée à Trappe. Sauf qu'en fait, j'ai raté le bus. Ensuite, j'ai raté le train. Par la même occasion, j'ai raté ma vie aussi. Et en plus, je me suis trompé de lycée, je suis pas allé au bon. Du coup, il s'est passé quoi? Je me suis fait exclure. Ah! Et mon père m'a envoyé au bled. Ah! Ah, donc là, t'écris au bled? Mais ça va, il y a la Cadie alors au Maroc. Wouah! Eh, j'arrive, hein. Dis-leur que j'arrive pour la fibre, tout ça. Il est malade. Alors, ma pire entrée, c'était il y a 2 ans. Et en fait, il y avait une meuf pendant la cantine qui m'a balancé 3 yaourts sur la gueule. Croyons du coup, j'avais un peu le seum, tu vois. Mais pourquoi, wesh, tu manquais de calcium ou comment ça se passe? Alors, moi, ma pire rentrée, c'était en fait tous mes amis. Ouais, mais frère, t'es dans une tornade aussi, on peut pas comprendre. Chasseur de siphon, là où je sais pas quoi. Alors, moi, en fait, ma pire rentrée scolaire, c'est pas moi. Mais c'est un gars, j'étais en 6ème et genre. Donc, toi, en fait, tu racontes la vie des gens, quoi. Passe-moi son snap au mec directement, comme ça je lui parle, tu vois. T'as griffe. Ah! Quelle est votre pire rentrée scolaire? Dites-moi ça en vidéo. Tug Life. Non, mais c'est pas mal. C'était la rentrée de 16 ans. Attends, mais c'est en quête d'action, ça ou quoi? Moi, mon frère, c'était en maternelle. J'étais pas avec mes potes et j'ai insulté la prof. Je me suis fait haggar par ma daronne. Après, j'ai pas assumé, je m'en rappelle, mon frère. Ah ouais, mais Hamlet, depuis là, hein, t'as laissé pousser la barbe, tout ça, tu te prépares pour Noël? Une fois, c'était le premier jour du 6ème. J'avais une casquette, je savais qu'on avait un bras, tu vois. Mais j'ai pas compris, wesh. Je t'ai pas demandé de me faire une biographie. J'ai demandé de me raconter une anecdote. Ça avait une anecdote. Malade. Je peux pas dire non. Je peux pas dire ça parce qu'il m'a fait rigoler. Petit clin d'œil, il était bien passé. Enfoiré, ouais.
pire rentrée scolaire, ça a mis, c'est de regarder tes vidéos au lieu de réviser. Oh, arrêtez. Coucou le Bédard, c'était pour te dire que ma pire rentrée scolaire, c'était que au collège, j'avais raté tous les cours. Enfin, pas raté, mais arrivé en retard pendant tous les cours. Voilà, bisous. Il est gentil. T'imagines un mec qui me dit coucou le Bédard, j'espère que tu vas bien. Alors moi, ma pire rentrée, c'est que j'ai raté tous les jours de l'année. Merci, au revoir, bisous. Je peux passer dans ta vidéo ou pas? Le mec qui me fait ça, j'éclate de rire, je suis mort. En gros, le mec, il est jamais parti à l'école, quoi. Il a séché toute l'année. Malade. Moi, ma pire rentrée scolaire, c'était il y a 2 ans. C'était le jour de la rentrée, c'était mon anniversaire. Voilà. Et donc, c'est bien. Moi, ma pire rentrée scolaire, c'est quand je suis rentrée en 6ème. Bah, quand je suis rentrée dans ma prof principale, je me suis mis à pleurer. Gros bisous. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que leur pire rentrée c'était en 6ème. Parce que généralement c'est vrai qu'en 6ème, genre, vu que t'étais chez les grands en primaire, CM2 t'es le plus grand. Moi, ma pire rentrée personnellement, c'était peut-être en seconde. Parce qu'en fait, quand je suis rentré, je me suis pris la porte en fait. Donc c'était vraiment une rentrée particulière. Pour moi, c'est me taper un examen le premier jour. Eh, vraiment, c'est taper un examen le premier jour. Vraiment, là, c'est la catastrophe. Merci, le prince noir. Il s'appelait le prince noir. C'est pas mal. La pire rentrée, c'était en CP, j'avais chié sur moi le premier jour de classe. Ah, donc, lui, il a fait encore plus fort. Lui, il a dû voir des gens qui ont pucé. Il a dit, ça, c'est pour les petits joueurs. Hé, hey, poussez-vous, pousse-toi, je t'ai dit. Il a baissé son pantalon à sa ville. Bra. On peut dire qu'il a bien carburé. Hein. Moi, ma pire rentrée scolaire, c'est que dès le premier jour, j'ai jeté un bout de gomme sur ma prof principale et j'ai été viré 3 jours. 3 jours pour une gomme? Wesh, mais moi, une fois, j'ai lancé une chaise. Et franchement, elle l'a bien pris, hein, la prof. Hein. Fuite bien visée, c'est tout. Tout est dans le poignet à sa vie. Passons la papaye. Ma pire rentrée scolaire, c'est que je suis à peine rentrée dans mon école que j'ai redoublé. C'est mon petit cousin, Nas. Comprends-moi, wallah. Même lui, il était dépassé, tu vois. C'est-à-dire que le mec, le premier jour de la rentrée, il l'a regardé, il a dit, toi, tu sais quoi, on va pas attendre la fin de l'année, tu vas redoubler maintenant. Comme ça, au moins, tu gagnes 1 an, comme ça. Ah, mais si, il gagne 1 an, c'est qu'en fait... C'est sérieux, là? Moi, j'ai un truc, mais c'est un autre... C'est pas ma pire rentrée de classe. Si, ouais, mais si je te pose une question, c'est pour que tu y répondes, pas pour dire eh, elle est bien ta question, je vais pas répondre à celle-là, je vais répondre à une autre question que tu poseras peut-être plus tard. Eh, écoute-moi bien. Ça fonctionne pas comme ça la vie, il est malade lui. Mais merci quand même de participer. Bon bah moi je t'explique, ma pire rentrée scolaire elle existe pas parce que j'ai que des rentrées scolaires normales. Je sais pas comment vous faites pour avoir des vies cheloues hein. Ok, je sais pas quoi dire. Non, les pires rentrées scolaires, c'est quand le prof il commence à dire « Ouais, mettez votre nom sur le coin de la table et remplissez une fiche. Ce que font tes parents, qu'est-ce que t'en as à foutre? Que mon père, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, tu vas m'éduquer moi, tu vas pas éduquer mes parents. » Oh, il m'a presque énervé. Hein. Wesh. Oh, Screamer, il est fou lui ou quoi? Ah ouais, non, il m'a déglingué les oreilles. Ouais, en fait, ma pire rentrée de classe, c'est, tu vois, comme je suis turc, je vais au bled. Ouais. J'arrive une semaine après dans la classe, il me dit t'es où? Bah je dis j'étais au bled. Elle est bien ta rentrée frère, une semaine au Maroc, t'es malade toi ou quoi? C'est une mais t'as pas tout compris frère, je crois. Je suis rentré dans la classe, je reconnaissais personne. Je me suis dit oh c'est quoi cette classe de merde, mais à la fin c'était trop nerf. J'en ai pleuré même. Il a marqué on regrette jamais une classe. Ouais. Ma pire rentrée scolaire ça va être celle qui vient là. Ouais. Parce que j'aime pas le lycée, donc nique sa mère, quoi. C'est aussi simple que ça, c'est aussi... Il a bien résumé. Bon, j'aurais pas mis nique sa mère, parce que bon, sa mère, je la connais pas, tu vois. Mais sinon, c'est bien résumé. Il s'appelait quand même Reptile 54. Il a pas vu ce que j'avais dans le pantalon, c'est habillé. Ah, Kadinour. C'est le lendemain de la rentrée, j'avais laissé mon sac dans la voiture, et ma mère était partie avec au boulot. Du coup, moi, j'avais pas de matériel, et j'ai pleuré comme une grosse. Mais t'étais pas grosse? Eh, Ginoir. Alors moi, ma pire rentrée scolaire, c'est quand je me suis fait pipi. Ah ouais, un classique. Il y en a beaucoup qui se font pipi dessus, c'est abusé. Hein. Pire rentrée, c'était l'année dernière. Il pleuvait ce jour-là, je me suis mis en mode belle gosse et tout et tout. Je traverse la route, une voiture, elle m'a éclaboussé, dégoûté à Zarbi, putain. Eh ouais, ça arrive. Et moi aussi, une fois, c'était pas une rentrée scolaire. Je revenais de la salle de musculation. J'ai ma beau gosse et tout, tu vois. Il pleuvait de ouf, je faisais mon beau gosse et tout. Il y a une voiture qui arrive. Pra! Piscine municipale sur ma tête. C'est un truc de ouf. Ah, j'ai pris ma douche. Hein. Il manquait juste un petit peu de shampoing. Hein. Ouais, mais là, on n'est pas là pour raconter ma vie. Hein. Non, mais je te regarde, toi aussi, avec tes yeux de brebis là. Attention, je t'ai vu. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, vous laissez un petit like. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Et merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo. Bah, désolé pour ceux que j'ai pas cliqué parce que des fois, ça bug, etc. Mais à l'avenir. Je ferai d'autres vidéos comme ça ou voilà, je vous ferai participer. Donc n'hésitez pas à me follow sur Snapchat, tout est dans la description. Et je vous dis bouissa. Je t'arrache la joue, Sabi, je t'arrache la joue.